pour la séance, de pouvoir faire l'heure ensemble. Pathologie des dyslipidémies. Des dyslipidémies. Et là, il y a un autre chapitre qui se rapporte aux dyscalémies et des anomalies de la physiologie de l'équilibre acido-basique. Il y a aussi un autre chapitre sur le problème de l'hydratation, mais on n'a pas le temps, peut-être que je vous dis quelques questions. Quelques UCR, on essaie à ce moment-là de rappeler quelques notions de physiopathologie et de l'hydratation. Voilà tout ce qu'on va voir ensemble. Donc aujourd'hui, donc, j'ai choisi le premier chapitre, le où est le métabolisme du fer. Quel est le métabolisme du fer? Lorsqu'on parle d'un métabolisme, en biochimie, pour biochimie, c'est sûr. Donc la biochimie fondamentale, c'est ça. Donc la majorité des étudiants m'écoutent la biochimie fondamentale. Donc maintenant, parlons de choix de clinique, puisque c'est, ça existe déjà dans un chapitre. Un grand chapitre pour l'exploration des animaux. Et dans l'exploration des animaux, il y a donc ce sous-chapitre qui est de métabolisme du fer, du folate et de la vitamine D. Donc, vous savez. Donc, lorsqu'on parle d'un métabolisme, ça diffère. Si on parle d'une molécule organique, comme par exemple l'albuminine, par exemple. Donc, à ce moment-là, on va parler de sa synthèse, de sa dégradation et également son comportement au niveau de l'organisme. Généralement, c'est ça donc un métabolisme. Si on parle du métabolisme des acides aminés, par exemple, on parle de la synthèse et on parle également de la dégradation et également du devenir de ces molécules organiques. Pour le faire, il y a un élément inorganique. Puisqu'il s'agit d'un élément minéral, le métabolisme diffère, puisqu'il n'y a pas de synthèse. On ne peut pas synthétiser du fer. On ne peut pas dégrader du fer. Mais là, il y a donc, il faut savoir donc, concernant cet élément minéral, comment il est absorbé, ensuite, comment il est régulé. Sa concentration, son homéostasie, comment elle est régulée dans notre organisme. Et généralement, donc, on passe par donc, l'intérêt de cet élément et ensuite on va voir comment il entre dans notre organisme, comment il est absorbé, comment il circule dans la circulation et ensuite comment il est régulé pour avoir un taux qui est sensiblement constant. Voilà donc pour cet élément d'introduction. Donc, comme vous le savez, le fer est un élément minéral et c'est un élément qui est indispensable à la vie. Vous savez que s'il n'y a pas de fer, il n'y a pas de réaction d'oxydo-réduction. Donc, l'oxydo-réduction de notre organisme. Donc, il y a beaucoup de réactions d'oxydo-réduction qui nécessitent la présence du fer.
Donc, pas de vie s'il n'y a pas de fer. Donc là, il faut de le fer. Donc le fer, il est donc indispensable à toute forme de vie. Et cet élément-là, il assure également le transport de l'oxygène via l'hémoglobine. L'hémoglobine doit contenir le fer pour pouvoir transporter l'oxygène. Si on a de l'hémoglobine dépourvue du fer, il n'y a pas de transport d'oxygène. Donc là, c'est indispensable. Et sachez que 1 g d'hémoglobine contient 3,4 mg de fer. Donc, il est très riche en fer, comme vous le voyez. Également, donc, le fer participe à la catalyse et à la fonctionnalité de plusieurs centaines d'enzymes. Il y a beaucoup d'enzymes qui nécessitent la présence de fer. Et essentiellement, ce sont les enzymes d'oxydoréduction. Exemple, enzyme d'oxydoréduction. Les cytokines. Vous connaissez, dans la chaîne respiratoire, il y a beaucoup donc d'éléments qui nécessitent l'oxydoréduction. Les cytokines, par exemple, donc, s'il n'y a pas de fer, ils ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, aussi, les catalases, les peroxydases, les cytokines oxydases, et ainsi de suite. Également, donc, il intervient dans la synthèse de l'ADN. Et là, il y a des enzymes qui catalysent dans cette biosynthèse et qui nécessite la présence du fer. Dans notre organisme, cet élément fondamental, il existe à quel taux? Donc, vous avez, chez un adulte normal, aux alentours de 4 grammes. 4 grammes de fer. Donc, pour retenir cette valeur, donc c'est l'équivalent d'un petit clou, en savoir. Donc là, pour vous donner une idée sur la quantité de fer qui existe dans notre organisme. Où trouve-t-on ce fer dans notre organisme? Il y a trois secteurs. Trois secteurs principaux ici. Donc, il y a ce qu'on appelle le fer fonctionnel. Et pourquoi le fonctionnel, ça veut dire quoi? Le fer fonctionnel. C'est lui qui intervient dans le transport de l'oxygène, je crois, il intervient dans la catalyse enzymatique. C'est un fonctionnel. Il est facilement mobilisable. Il existe dans des structures organiques. Il existe dans des structures organiques et qui participent à leur fonction. Il y a du fer également sous forme donc, de fer associé à un élément transporteur. L'élément transporteur que vous connaissez bien, je vous montre, est transféré. Là, c'est l'élément qui est mineur. Il y a aussi le fer de stockage. Le fer de stockage, donc là, il sert comme réserve pour donc, avoir toujours la quantité nécessaire en fer pour la fonctionnalité des enzymes et de l'hémoglobine. Regardez donc sur ce schéma, vous voyez donc que la majeure partie du fer existe à quel niveau? L'hémoglobine et la myoglobine. L'hémoglobine et la myoglobine, donc vous voyez, c'est aux alentours de presque 70 à 75% du fer existe donc, dans les globules rouges, donc l'hémoglobine et la myoglobine existent à quel niveau? Au niveau du muscle. Donc vous avez aussi une grande partie qui existe dans les protéines de réserve, dans les structures de réserve. Vous avez presque le 1/4 qui existe dans ces structures de réserve. Ce qui reste, vous avez une petite partie
presque négligeable au niveau du plasma. Mais quelle est l'importance de cette partie au niveau du plasma? Donc, elle est transportée par la transférie, certainement, mais c'est elle qui est donc susceptible d'être analysée biologiquement. Lorsqu'on voudrait savoir, avoir une idée sur la quantité de fer qui existe, on fait le dosage du fer. Donc, fer sérique, ça veut dire fer sérique, le dosage du fer. Donc, le carbidien, ça représente une petite quantité, mais elle a de l'importance sur le plan exploration et sur le plan dosage essentiel. Vous avez également les enzymes éliminiques. Les enzymes éliminiques, là, vous voyez que ça représente 0,01 g, ça veut dire 100 mg, existent dans ces structures éliminiques, donc les cytochromes, les catalases, et ainsi de suite, donc les protéines fer soufre aussi, donc qui contiennent une petite quantité, mais qui a une importance capitale dans la fonctionnalité de cet élément minéral. Voilà. Donc là, en milligrammes, la quantité que vous voyez là, regardez bien au niveau de l'hémoglobine.